Bonjour, aujourd'hui à l'émission, je me rends à Sainte-Geneviève-de-Batiscan où Chantal Letourneau nous fait expérimenter l'art ancestral du batik sur coton. Sarah s'est rendue à Grand Métis pour découvrir les principes de construction d'une maison solaire passive. Mais pour commencer, elle est allée à Godbout sur la côte nord pour rencontrer un trappeur d'expérience, M. Vital Chassé, qui nous fait découvrir sa passion pour cette activité de chasse pratiquée depuis toujours sur la côte nord. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. On est à la boutique L'Artisane du village à Godbout, en compagnie de Vital Chassé, qui est trappeur. Bonjour Vital. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Très bien. Oui. Aujourd'hui, on est là pour parler de trappe, de peau. Toi, tu es trappeur. Oui. Tu trappes depuis longtemps, comme ça? J'ai commencé à l'âge de 13 ans, environ. Oui. Puis même que des fois, j'ai arrêté un peu, mais en moyenne, je te dirais 25 années. Pas mal de septembre à aller jusqu'à mi-janvier. Et la trappe, ça a bon, comme objectif de capturer des bêtes, différentes sortes. Parle-nous un peu des sortes de bêtes que tu trappes. Ben moi, mes espèces préférées, c'est les canidés, les loups, les renards, les lynx. Les lynx, c'est pas un canidé vraiment, c'est un finidé, mais c'est les espèces que je préfère le plus. C'est les espèces que je tends au collet. Une chose que je trouve que l'animal meurt assez rapidement, pas de souffrance, rien. Il y a encore les pièges à pattes qu'on existait avant, mais qui sont plus douloureuses pour les animaux. Mais je préfère les collets quand même. Et l'intérêt, c'est d'avoir les peaux, j'imagine? Oui, il y a un intérêt pour les peaux, il y a la déprédation, il y a un peu de tout. Moi, je le fais plus par passion, puis en même temps, mais ça donne... Moi, j'attrape, comme je te disais, plus les renards, des choses comme ça, proche du village, fait que ça donne une chance aux petits gibiers, le lièvre, la perdrix, des choses comme ça, de remonter un peu. Puis en même temps, ils ne viennent pas trop à l'intérieur du village. Je vais te montrer, je sais pas si tu vois, là, t'as pas l'œil aguerri pour voir les pièges, mais il y a un collet tendu devant nous. 30 pieds devant nous, là, entre les deux petits arbres, il y a une boucle. Ah oui, je le vois! Ça, c'est un collet à renard. C'est la manière qu'on prend pour les attraper qui me semble plus facile. Surtout que quand il y a beaucoup épais de neige, ils ont tendance à suivre nos traces de raquettes. OK. Donc, tu gonges pas tes vies avec ça. Non. Mais tu as quand même tes pots, tu les gardes on pas On a toujours toutes. Moyen de les vendre. Soit découles. Qu'on en fait tanner, on fait des cadeaux à la famille, mais on réussit toujours à les vendre. Il y a deux ou trois marchés qui le font, il y a encore des commerces de fourrure qui se font. Pas un marché autant qu'avant, mais on réussit quand même. Avant, tu dis avant... Les prix dans les années 90, les prix des fourrures a explosé. On prend l'exemple d'un lynx, une peau pas tannée, rien, verte, se vendait à des alentours de 1200 $ la peau. Puis présentement, une peau de lynx se vend environ 100 $ Oh, OK, oui, c'est... Et un exemple. Je te donne un exemple, c'était le plus payant. Une grande différence. C'est qu'à l'époque, les gens fabriquaient des manteaux de fourrure? Oui, beaucoup. Puis il y a eu des mauvaises commercialisations, rapport avec des mauvaises publicités suite à ce que la fourrure, ça venait d'un animal qu'on blessait, qu'on faisait pas attention à la bête, mais maintenant, il y a tellement de protection et tout qu'on le monde, on pourra se casser la tête quand on fait ça. On fait attention à l'animal pour pas y faire mal nécessairement, inutilement. Mm-hmm. On veut que ça soit drastique, puis que c'est fini. D'accord. Ah, on a une prise! Oh! Fais toujours attention, un peu toujours au vivant, mais ça me surprendrait. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est gelé dur. Bon, ben l'hiver, c'est ça, ça gèle. Ah, c'est pas petit, là? C'est un renard! On va regarder s'il est mêlé. Là. Regarde, la broche est ici, attachée après l'arbre. Regarde, il a travaillé un peu, regarde. Oh mon Dieu, il est gelé dur, hein? Quand? Oh, l'hiver, ça gèle! Pourquoi c'est important de perpétuer cette pratique-là qui l'attrape? Bien, moi, je te dirais pour continuer à avoir une bonne gestion du cheptel des animaux, premièrement. Parce que si on arrête d'enlever ce qu'on est habitué d'enlever, qu'on sait comment enlever un maillon d'une chaîne, la chaîne, elle se détruit. Ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, les trappeurs fassent comme avant, qu'ils puissent redevenir, être capables de gagner leur vie de ça. Parce que ça va retirer des trappeurs. Tant que le marché va être bas, ben, il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont le faire, à moins de le faire comme je le fais, par une passion. Mais j'espère qu'à un moment donné, le monde va avoir un bon œil sur ce qu'on fait, que ce ne sera pas toujours mal vu. Merci! Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vais quand même te redonner ton renard. OK. Parce que tu vas mieux savoir quoi faire avec que moi. Je vais le dépioter, puis on va l'arranger. Bien satisfait que tu as aimé ton aventure. Ben oui, vraiment. Merci beaucoup, Vital. C'était très apprécié. Les gants, ça, j'étais au chaud. Super. Parfait. On peut pas demander mieux avec le soleil et tout. Oui, la chaleur de l'hiver. En plus, une capsule. Oui. Excellent. Le trappage a eu autrefois une grande importance économique pour le Canada.
Aujourd'hui, cette activité n'est plus exclusivement associée au commerce de la fourrure, mais sert aussi à éliminer de façon sélective certains animaux jugés nuisibles s'ils fréquentent les abords des villages. Dans un souci de préservation de la faune, la pratique est aujourd'hui encadrée par des lois et des quotas. De plus, des considérations éthiques ont fait évoluer les pièges afin d'assurer un minimum de souffrance animale. La maison R132, située sur le site des Jardins de Métis à Grand Métis, est une maison bien particulière. En effet, sa construction résulte d'un travail de concertation et son existence répond à un objectif bien particulier, servir de lieu de démonstration et d'éducation sur ce qu'est la maison écologique par excellence. Sarah est allée à la rencontre de Marie-Hélène Nollet, l'architecte principale de l'équipe de conception, qui nous parle des grands principes régissant le concept de maison solaire passive. À Grand Métis, au Jardin de Métis, en compagnie de Marie-Hélène Nollet, qui est l'architecte en chef de ce projet-ci, qui est la maison R132, qui est une maison solaire passive. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'une maison solaire passive? C'est une maison qui est construite de manière à pouvoir capter les rayons solaires puis faire contribuer au chauffage de la maison. Quand on dit passive, c'est qu'on n'a pas besoin d'équipement particulier. On a seulement besoin de penser la maison comme il faut, de mettre les fenêtres dans la bonne orientation, la bonne quantité de fenêtres, penser une bonne enveloppe et capter le soleil. C'est pour ça qu'on dit solaire passif. Donc, il y a sûrement des grands principes d'architecture qui régissent ce type de bâtiment. Oui, il y en a plusieurs. Notre objectif en premier, c'est d'avoir une efficacité énergétique. Dans le fond, on ne veut pas que la chaleur qu'on a captée, qu'elle puisse partir partout. Donc, on va chercher à avoir un bâtiment qui est compact, hein, une maison soit carrée ou rectangulaire. On va orienter la façade la plus longue du côté franc-sud. On va optimiser le captage en mettant un revêtement de plancher ou un mur avec soit de la maçonnerie, du béton, de la pierre, de la céramique pour des matériaux qui sont capables de retenir la chaleur. On va aussi prévoir une enveloppe qui est performante. Quand je dis le mot enveloppe, c'est le mur, la façon dont le mur est construit. C'est important qu'il y ait une très bonne performance. Et on va porter une attention particulière sur les fenêtres. Le thermos, l'insertion, le cadre, la position, la finition, l'étanchéité. Ça ici, c'est notre pièce, la pièce de vie qu'on aime beaucoup, là, parce que c'est toute fenestrée du côté sud. Puis, on a fait un petit clin d'œil, justement, ici, sur la dentelle de béton là, qui sert de capteur solaire à cause de la masse. On a fait des insertions de morceaux de verre. Puis, ce que ça permet de voir, c'est que c'est jusqu'où rentre le soleil le 21 décembre à midi. Donc, toute l'orientation des fenêtres, on voit que ça a été calculé, mesuré en fonction. Oui, tout est calculé. Au niveau d'éclairage selon les saisons aussi. Oui, c'est assez efficient. Je suis venue ici plusieurs fois avec les pare-soleils, puis effectivement, en juin, le 21 juin, c'est le contraire, on ne veut pas. Fait que toutes les fenêtres sont obturées à cause des pare-soleils qu'il y a à l'extérieur. R132, c'est un bâtiment qui est issu d'une réflexion assez pointue avec l'équipe de conception. Ça a duré une grosse année, quasiment 2 années. Donc, à l'époque, il y avait plusieurs stratégies qui avaient été avancées, pas juste par notre équipe, par plusieurs personnes ici dans le monde, même au Québec, sur les différentes alternatives qu'on pouvait mettre en place pour optimiser l'efficience énergétique. Donc, notre équipe, on a décidé d'opter pour le solaire passif parce que, premièrement, le soleil est gratuit. Le surcoût que ça occasionne, comme on parle de surisolation, de mettre des verres triples, c'est le seul surcoût que tu as, ou peut-être des pare-soleils un petit peu. Comme l'énergie est gratuite, le soleil, bien, on rentre facilement dans notre argent, c'est pas long. Là. Ce qui fait que R132 est différente de tout ce qui se construit à l'extérieur, c'est vraiment le choix d'avoir fait une ossature double. On a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait prendre, et ce choix-là a été payant en bout de ligne, en termes d'efficacité et performance énergétique. Mais pourquoi on ne construit pas tout le monde des maisons comme ça? Bien, la maison solaire passive fait face à une difficulté qui est la configuration des terrains mis en place par la municipalité. Les critères d'aménagement de terrain, c'est du lotissement en fonction des rues, des égouts et puis tout ça. Fait que les terrains sont très petits, très étroits, ils veulent optimiser, ils mettent plein de maisons. Bien, si tu tombes sur un terrain que ton sud est du côté ouest, à côté de ton voisin, bien, oublie ça, tu ne peux pas faire de solaire passif. Tu ne peux pas choisir l'angle dans lequel tu mets ta maison. Et voilà, il y a une autre réglementation qui empêche de te faire tourner la maison. Ils veulent toutes que les maisons soient alignées. C'est le nerf de la guerre, là. C'est la difficulté. En campagne, il n'y a pas de problème. Quand tu as un grand terrain de 600 m², tu peux tourner ta maison. Donc, il faudrait que les
les cités soient dessinées en fonction de l'angle du soleil. Oui, il faudrait qu'il y ait un assouplissement au point de la réglementation municipale là, pour permettre ça. Quand tu es du bon côté de la rue, c'est bien, mais quand tu n'es pas du bon côté, c'est une stratégie qui peut être... Ça prend un peu plus de génie pour trouver une solution. Mais, c'est des grands changements. C'est des grands changements de paradigme puis de principes. Mais ils sont simples. On les a vus, les principes sont terriblement simples. Les maisons avant étaient construites de façon solaire passive. Maisons ancestrales étaient solaires passives. Donc c'est comme un retour aux principes de base en fonction de notre climat. Donc ce que j'espère, c'est justement c'est que ça soit plus ancré dans les mœurs, que les gens vraiment acceptent les bienfaits, un peu comme le bio. L'alimentation bio, c'est... il n'y a plus personne qui remet ça en cause. Une maison solaire passive consomme jusqu'à 90 % de moins d'électricité qu'une construction traditionnelle. Les surcoûts de construction ne sont pas exorbitants car une bonne partie du principe repose sur le design et l'orientation de la maison. En plus, ceux-ci sont rapidement remboursés par les économies d'énergie sur le long terme. Reste à convaincre les municipalités d'assouplir leur réglementation en permettant d'orienter les maisons au sud pour maximiser l'utilisation de cette énergie naturelle qui est le soleil. Aujourd'hui, je suis avec Chantal Letourneau. On est à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, en Mauricie. Et Chantal, tu fais du batik. En gros, qu'est-ce que c'est du batik? Alors, le batik, c'est un procédé, on appelle ça un procédé de réserve à la cire. C'est-à-dire qu'on va faire une alternance d'application de cire fondue et de teinture à froid. Ça n'est pas de l'impression parce que dans l'impression, on met la couleur où on veut que ça reste comme ça. Mais là, c'est on met la couleur et après ça, on s'en va mettre la cire parce qu'on veut que ça reste comme ça. Pour rendre ça plus concret, j'ai fait un petit démonstrateur. OK? Oui. Alors, on part ici avec du coton blanc. J'ai voulu faire une marguerite. Alors, là où je veux des pétales blancs, bien, j'ai appliqué de la cire fondue. OK? Oui. Quand j'ai mis ça dans un bain de teinture jaune pâle, on voit que les pétales sont restés blancs. Après ça, ce que je veux qu'il reste jaune pâle, je m'en vais mettre de la cire dessus. J'ai fait des petits points pour avoir des petits points jaunes dans le cœur de la fleur. Après ça, j'ai teint en vert pâle. Pour avoir des feuilles vert pâle, il a fallu que j'aille mettre de la cire ici, en forme de feuille. Et puis après ça, j'ai fait un bain de teinture vert foncé. À la fin, tu vois, c'est rigide, il y a de la cire. Les deux côtés, à ce moment-là, pour enlever ça, je prends un fer à repasser du papier buvard et j'enlève l'excédent de cire. Et on se retrouve avec un produit fini comme ça. C'est un peu une technique qui est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, quand tu fais du dessin ou une peinture, tu appliques les couleurs, mais là, le procédé est comme inversé. Oui, et c'est pour ça que ça demande beaucoup de planification. Et ça ne pardonne pas. Quand on met une goutte de cire, ça reste là. C'est quand même beaucoup plus clair quand on le voit concrètement comme ça, avec les différentes étapes, puis les morceaux de tissu aussi. Est-ce que tu me le montres concrètement, comment tu le fais? Bien sûr. Tu peux voir, quand la cire pénètre bien le coton, ça devient plus foncé, le trait que je fais. Si ça pénètre pas bien, on peut voir un peu, mais c'est pas aussi foncé. Regarde, tu peux en appliquer. Ici, de la cire, pour l'essayer. Si tu veux. Oui, puis après ça, je vais enlever ça et je vais mettre ta liseuse par-dessus. C'est beau. Si jamais tu as envie de t'amuser, tu pourras aussi utiliser le chanting, si tu veux. Ah oui, j'aimerais ça l'essayer. Tu peux faire ici aussi. Là, il va couler moins vite, là. Il refroidit déjà. Là, ça va bien. Oui, 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 c'est bon. Alors, ça, c'est la liseuse que je t'ai préparée. Le cœur de la fleur est déjà fait et c'est à toi de faire les pétales. D'accord. OK. Je pense que je vais utiliser le chanting pour faire les contours, puis quitte à mettre du pinceau pour aller remplir à l'intérieur du pétale. Alors, tu vas avoir une fleur avec des pétales roses. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas aller vite, hein? C'est difficile, le chanting, sur ce coton-là. Mais tu vas bien, là, oui. Le batik, c'est une technique qui est originaire d'Indonésie, du Moyen-Orient également. Comment, selon toi,
pourquoi est-ce que les gens ont commencé à faire du bâti? Comment ça a commencé? Ouais. Bien, moi, je spécule, là, mais je pense que ma spéculation est bien raisonnable. J'imagine qu'il y a très, très longtemps, à une époque où il y avait du tissu et des chandelles, un soir, quelqu'un circulait avec une chandelle, il y a une goutte de cire qui est tombée sur un morceau de tissu qui était destiné à être teint. Et quand on l'a teint, bien, la teinture n'a pas pénétré dessus, là où il y avait de la cire. Bon, j'ai fait le contour des pétales et maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment aller remplir les pétales de cire. Mm-hmm. Et je vais y aller avec le pinceau, cette fois. C'est vrai que c'est dur à voir le résultat que ça va faire quand il y a la cire comme ça, mais c'est là où, quand on met le fer à repasser sur la cire, c'est là qu'on doit vraiment voir le résultat final. Ah, oui. Oui. Dans mon expérience, il y a toujours de la déception et du plaisir, toujours mélangés ensemble. Alors, on imagine quelque chose, un modèle idéal, puis en même temps, on est surpris, agréablement surpris de voir ce que ça a donné. Mm-hmm. Un batik lait, ça se peut pas. Ouais. Avec un motif naturel comme ça, là, ça a toujours ses particularités, puis ça nous dépasse, puis c'est très, très agréable. Maintenant, c'est le temps de la teinture. Mm-hmm. Si tu veux, je vais le faire moi-même. Vas-y, parce que j'ai les gants de la tête. Gants, tout qu'il faut. Ouais. C'est un peu profond. Je vais l'écraser dans le fond de la chaudière parce qu'il n'y a pas énormément de teinture. Mais tu peux regarder. Mm-hmm. Écrase bien comme il faut. Normalement, là, on devrait laisser quelque chose dans la teinture à peu près une heure. Plus la couleur est foncée, plus on laisse ça longtemps. Un noir, ça serait deux heures, par exemple. Alors, regarde, regarde. Oh, là, on la voit, voit déjà la fleur. C'est super beau. C'est beau, hein? Oh, oui. Alors, on est parti d'un petit cœur sur la fleur. Tu as tracé des pétales avec la cire pour que ça demeure rose. Mm-hmm. On a fait un bain de teinture violet. Maintenant, on va faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Comme on n'a pas le temps de le faire sécher, je vais faire une application de cire pour que le carré, lui, il soit fixé aussi au niveau de la couleur. OK, là. Ouais. Et après ça, on va passer au décirage. D'accord. Je suis pas mal certaine de mon coup. Ça ne fera pas une grande différence, sauf plus de bruit au moment du décirage. Donc, je vais comme ça. Tu vois, ça ne pénètre pas bien parce que le tissu est humide. OK, mais... au desserrage, l'humidité va partir et la cire va pénétrer le tissu. Et on va enlever en même temps l'excédent. Bon, c'est très bien comme ça. Alors, on revient dans cette partie de l'atelier pour l'étape du desserrage, mm-hmm. qu'on fait avec un fer à repasser, puis du papier buvard. J'avais lu déjà dans un livre sur le batik qu'on pouvait utiliser du papier journal simplement pour le desserrage. Même du vieux papier journal, sauf que dans mon expérience, c'est arrivé que l'encre s'est transférée quand même. Alors, c'est pour ça que je prends du papier non imprimé, puis je le combine avec du papier journal imprimé pour ménager le papier qui est plus rare. Alors, le moment magique approche de plus en plus. Ouais. J'ai hâte de voir le produit final. Oui. Il va peut-être en avoir encore à enlever, mais on va pouvoir... Un bon aperçu. Ouais. Est-ce que c'est l'endroit ou l'envers? Je pense que c'est oui, c'est l'endroit. Ça. Alors, ça va être ta liseuse. Le produit final, on l'a enfin. C'est magnifique. Et c'est un produit unique aussi. Oui. Oui, unique pour toi. Fait avec amour. Absolument. Merci Chantal, vraiment, pour nous avoir montré un peu le batik, comment ça marche. C'est quelque chose d'unique. Puis merci pour m'avoir fait un beau petit signet, aussi au nom d'Alicia quand même. Ça me fait grand plaisir. Merci d'être passée par Sa Vaut des Tours. Merci d'être venue par Sainte-Geneviève-de-Baptiste. Oui.